Tous, bonjour à toutes, je suis Bibounette, alias Marie dans la vraie vie, mais si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Ravelry, mon pseudo c'est Bibounette23, et sur Instagram, mon pseudo c'est Bibounette2309. Voilà, donc aujourd'hui je suis dans ma cuisine, comme vous pouvez le voir, mais je ne vais pas vous faire une recette de cuisine, je vais vous montrer comment je teins, en fait, la laine. Depuis quelques mois, je me suis amusée à commencer à teindre. Ça me plaît énormément. Je le fais pas mal. Pas mal dans le sens beaucoup. Hein. Je me suis aperçue que j'avais pas mal de copines qui aimeraient bien essayer. Et moi, quand j'ai voulu commencer, je me suis aperçue que tous les tutos étaient en anglais, et qu'il n'y avait pas grand-chose en français. Donc voilà, je me propose juste de vous montrer la manière dont moi je teins. Je ne prétends pas avoir la science exacte. Voilà, je vous montre juste ce que moi je fais. Je vous montrerai pas non plus tous les trucs des teinturières ou des teigneuses, les deux mots existent. Le but c'est voilà, de vous montrer moi ce que je fais, en tout cas comment je le fais. Après pour tout ce qui est vraiment technique de teinture, comment je fais les petits points, les machins, je vais rester très très vague. Enfin, je le ferai pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est vraiment vous montrer le processus. Et quand je le ferai, voilà, je vous montrerai pas tous les trucs. Le but, les teinturières ont chacune leur façon de faire. C'est aussi quelque chose d'empirique, donc il faut que ce soit à chacun de le faire pour trouver pour soi comment ça fonctionne. Voilà, donc la première chose à savoir, c'est que si vous voulez teindre de la laine, il faut que vous preniez de la vraie laine. Quand j'entends de la vraie laine, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit 100% de la bête, de l'animal. Si vous prenez quelque chose avec de l'acrylique ou avec du polyamide ou avec je ne sais quoi issu du pétrole, ça ne marchera pas. Les colorants que j'utilise, moi, et ce que je fais, c'est vraiment pour de la teinture naturelle. Enfin, de la laine naturelle. Donc là, ce matin, on va teindre du 100% mérinos. C'est ce que j'ai mis à faire tremper. Je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a aussi du mérinos et nylon, il y a du mérinos et soif. La gamme peut être très large. Voilà, ce matin, on va faire du mérinos. Donc, la teinture, ça recommence par ce qu'il y a dans cette jolie petite... bassine que j'ai fait tremper depuis hier. Bon, l'objectif, l'idéal, c'est de faire tremper au moins une demi-heure. Là, je l'ai fait hier, je les ai mis hier soir à tremper, comme ça je suis tranquille. En fait, ce qu'il faut, c'est que la laine, les écailles de la laine s'ouvrent pour pouvoir absorber au maximum les pigments. Et pour ça, il faut faire tremper la laine dans de l'eau et du vinaigre. Moi, perso, ma méthode, c'est un tiers de vinaigre blanc que j'achète au Franprix en face. Même si depuis quelques semaines, ils sont en rupture parce que je pense que j'ai utilisé leur stock des deux dernières années. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc j'utilise un tiers de vinaigre blanc, deux tiers d'eau et je laisse tremper au moins une demi-heure. Une demi-heure c'est bon, hein, je l'ai déjà fait quand j'étais un peu dans le rush ou comme quand jeudi j'avais une folle envie de commencer à teindre la laine que je venais de recevoir. Voilà, donc vous prenez votre petit écheveau qui a bien trempé, donc là il est ici, vous l'essorez. Alors vous pouvez l'essorer au maximum, le but c'est voilà, c'est qu'il n'y ait plus d'eau qui coule. Hein, c'est pas, voilà, on essore. Et là, voilà, je vous le fais en direct live. Voilà, mon écheveau est à peu près essoré. J'enlève la bassine, excusez-moi. Une fois que j'ai mon écheveau, donc mon écheveau il est blanc. Il est, voilà. J'ai oublié de vous dire que ce qu'on allait faire ce matin, parce que chez moi on est le matin, je sais pas ce qu'on sera quand vous le regarderez. Ce qu'on va faire surtout, c'est prendre la laine, la teindre en couleur et la mettre à cuire, à fixer. Le reste, on le verra dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce que je vous montre ce matin, c'est la partie la plus fun de l'histoire. C'est je prends un truc blanc, je fais du patouilla comme quand j'étais à la maternelle, et j'ai un écheveau coloré. Ça, c'est super sympa, c'est génial. Après, je le mets à sécher, ça devient déjà moins fun, parce que j'attends, suivant où vous habitez, au moins une petite journée, voire un peu plus... de voir qu'il est sec en allant voir de temps en temps au début toutes les demi-heures en se disant j'espère qu'il va être sec pour voir la couleur définitive, etc. Et après il y a la partie un peu moins sympa, un peu fastidieuse, un peu longue, qui consiste à prendre ce petit truc qui, je ne sais pas si vous le voyez, mais a pas mal de nœuds, même si on peut faire pour qu'il y ait moins de nœuds, mais là je l'ai plongé directement dans l'eau, je ne me suis pas posé de questions. Il faut le mettre d'abord en cake ou en pelote, vous préférez. Si vous avez un bobinoir, vous mettez en cake. Si vous n'avez pas de bobinoir, vous faites à la main. Et après, si vous voulez un joli écheveau comme ce que vous achetez en commerce, eh ben, il faut refaire un écheveau avec un échevaudoir. Vous savez, le grand parapluie qui tourne. Ou ce que m'a offert ma copine, que je vous montrerai dans une autre vidéo, qui est un Odinidi. C'est un espèce de...
truc en bois qui permet de faire des super jolis échevaux, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Revenons à la partie fun de l'histoire. Mon écheveau est blanc. Je vais commencer à mettre de la couleur. Donc, j'ai une copine au tricicote, puisque je fais partie du tricicote. Donc on se retrouve si vous voulez venir tricoter entre... J'en profite pour faire la pub du tricicote. Si vous voulez venir tricoter avec nous, on se retrouve tous les 1er, 3e et 5e jeudi du mois à Issy-les-Moulineaux. On est un groupe Ravelry qui s'appelle Tricicote. Allez voir, il y a toutes les infos. Voilà, donc une de mes copines du tricicote jeudi m'a dit qu'elle aimerait bien avoir une couleur, une laine très foncée. Limite du noir, donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc pour ça j'ai des colorants, hein. J'en ai même un petit stock, voilà. Quelques colorants alimentaires qui tiennent très bien, et puis ceux qui sont les plus connus pour les teinturières, ceux qu'utilisent beaucoup de monde, c'est les Greener Shades. C'est une marque qui est bio, qui est distribuée par Lily Neige, d'ailleurs Lily Neige. Allez les voir aussi, je vous mettrai le lien en dessous. Ils font de la super laine, ils font un super boulot avec l'alpaga, c'est génial ce qu'ils font. Et ils distribuent donc ces poudres colorantes, enfin ces colorants en poudre, ça sera mieux. Voilà, donc ça ce matin c'est ce que je vais utiliser. Ils ont aussi un guide qui explique comment faire les différentes couleurs. Je vous passe l'histoire. Je prépare ma teinture. Donc là j'en mets pas mal parce que je veux une couleur assez intense. Voilà. J'ai donc au fond de mon petit gobelet en plastique, j'utilise pas mal les gobelets en plastique, je trouve ça pratique si la couleur est un peu trop à la fin, si la couleur reste ou comme ça, poubelle, ça évite de tout salir. Normalement il faudrait faire avec des gants, vous remarquez, je sais pas si vous pouvez voir le bout de mes mains, un peu bleu. Voilà, j'ai fait un peu de teinture hier, j'ai pas fait attention, je me suis mis sur les mains. Là je vais faire ça dans les règles de l'art et je vais prendre mes petits gants. Sexy. Le bleu. Donc, une fois que vous avez votre coloration dans votre pot, vous allez diluer. Pour ça, je vais prendre de l'eau. Elle n'est pas chaude, c'est juste que... Elle n'est pas chaude, pardon. C'est juste que c'est pratique comme contenant. Donc, je remets dans mon petit gobelet. Je vous mets ça en bien. Je vais remuer, d'habitude je mets de l'eau chaude, mais là j'ai oublié d'en faire chauffer, donc je vais faire à l'eau froide. Je mets un peu d'eau chaude pour diluer, pas trop chaude pour pas non plus feutrer la laine, mais un peu d'eau chaude juste dans le fond du gobelet. Et je mets dans un tupperware classique, ça doit être un 2 personnes, 1 litre 4 acheté, je pense, chez Emma. Voilà, des trucs super intéressants. Je pense que... Voilà, donc je dilue super bien ma couleur, je la mets... dans mon bol, je vais mettre de l'eau à peu près jusqu'à un peu plus de la moitié. Le but c'est que mon écheveau soit trempe dans l'eau, mais qu'il soit pas non plus, enfin s'il peut être noyé ça change rien, de toute façon tous les pigments vont être absorbés par la laine quoi qu'il en soit. Là vous voyez, je suis en train juste de, voilà, mon gobelet est pratiquement blanc. Je finis de remplir ici, je sais pas si vous voyez, je vais être plus près, voilà. Je m'aperçois qu'il y a des petits grains là qui restent. C'est parce que j'ai pas mis d'eau froide, d'eau chaude. Je vais remuer. Et puis, tout simplement, je prends mon joli petit écheveau et je lui fais prendre un petit bain. Voilà. Je retourne pour voilà, qu'il y en ait un peu partout. D'ailleurs, il y en a aussi son plomb. Voilà. Je laisse normalement tremper, pas trop, mais là, je pense que je vais... Comme je veux une couleur très foncée, l'eau, vous allez voir au fur et à mesure, va devenir très claire, presque blanche. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Le temps que ça se mette un peu... Comment ça? Que la couleur prenne bien sur les chevaux. Et on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Voilà, donc notre teinture a trempé un bon quart d'heure dans l'eau. L'eau est beaucoup plus claire. Je ne vais pas vous montrer plus parce que je suis un petit peu sinon je transforme ma cuisine en piscine, mais voilà, donc on a trempé, maintenant on va cuire, on va fixer la couleur. Il y a plein de méthodes qui existent. La méthode la plus
connue et répandue, je pense, c'est de faire, de mettre dans un faitout et de faire cuire la laine, enfin chauffer la laine presque à ébullition pendant un certain temps. J'avoue, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas comment on fait. La deuxième solution, c'est le micro-ondes. Moi, perso, je ne suis pas très fan du micro-ondes. Ah, je m'en sers pour réchauffer des plats, mais j'ai pas tellement envie de mettre ma jolie laine. Voilà, ça marche très bien, j'ai des copines qui le font, ça marche parfaitement. Moi, je ne suis pas très fan, perso, chacun. Donc, j'ai pas mal cherché sur internet quand j'ai commencé à teindre la laine. Et la méthode qui, moi, me plaît et me convient, chacun, voilà, je vous laisse après. Je vous ai dit, je vous montrerai ma façon de faire après si. Il y a d'autres façons de faire qui existent, c'est de mettre dans un papier cello frais, c'est pour ça que vous m'avez vu couper du cello frais, ou papier film, ou papier alimentaire, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a plein de noms qui existent, d'enfermer mon petit écheveau dans du cello frais en boudin, vous allez voir comment on fait, et de le mettre dans le cuve-vapeur. Moi j'ai un robot, hein, mais le cuve-vapeur, j'ai fait avec des copines il n'y a pas longtemps, on avait pris le cuiseur à riz, ça allait parfaitement. Donc pour ça, il faut d'abord commencer par essorer la laine. On aime bien, c'est là où, comme je vous disais tout à l'heure, on patouille pas mal hein, quand on fait de la teinture. Donc là, vous m'en voulez pas, je vais juste le faire sur mon évier. Hop là, ce sera plus simple. Voilà, l'essentiel. Hein. Voilà. Vous avez donc votre petit écheveau. Alors moi, il est pas mal emmêlé parce que je l'avais dans un sac et qu'il était emmêlé. Voilà, mon écheveau est teint. Vous voyez bien qu'il est plus blanc comme tout à l'heure, il est bien gris. Je le mets sur mon papier cellophane. Pardon. Je l'enrubane, je l'enrubane bien, complètement. Hop là. Je mets plusieurs, je pense qu'il va falloir que je mette plusieurs morceaux. Papier cellophane, pas génial. Hop là, je fais mon petit serpent, boudin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Le but, c'est qu'il soit à peu près hermétique. Hop. Je vais faire un peu de bruit, pas génial. Vous ne m'en voudrez pas, c'est une première. Hein. Je débute. Je suis désolée si l'image n'est pas géniale, le son n'est pas parfait. Je suis complètement novice. Je n'étais jamais allée devant une caméra avant. C'est quelque chose que je redoute, mais finalement, bon. Voilà, pour vous, je fais cet effort-là. Donc, vous avez un boudin. Moi, je le mets dans mon cuve-vapeur qui est ici. Il se trouve qu'il y a un truc au milieu, donc je fais un serpent et je mets dedans. Voilà, vous l'avez, il est bien dans le... Vérifiez qu'il y ait de l'eau dans le rebond, ce serait mieux. Je vais rajouter s'il y en a un peu là. Je vais rajouter un peu, voilà. Vous fermez, et l'intérêt du cuiseur vapeur, c'est que vous n'avez rien à faire, vous appuyez. Vous branchez d'abord. Oui, je suis un petit peu la Richard. Vous n'en voudrez pas. Vous branchez, vous allumez, et c'est parti. Voilà, vous entendez le premier bip. Cuisseur vapeur, moi je le fais cuire, je le laisse en général 20-25 minutes après ébullition. Et je vous propose qu'on se retrouve quand tout ça sera fini. Me revoilà pour une dernière fois. Aujourd'hui, juste pour vous montrer ben voilà, ce que ça donne quand j'ouvre le cuivapeur. Je sors, donc là ça vient de se finir, je sors mon petit boudin qui est tout chaud. Je le pose sur un plan de travail, sur un plateau, sur ce que vous voulez. Et puis vous le laissez refroidir. Ça peut prendre un certain temps. Moi j'aime bien enlever le papier d'alume, brûler un peu, mais c'est pas très grave. Faire aussi pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez votre écheveau est parfaitement teint. Je vais le prendre avec un peu vite et me brûler. Hein. Voilà, vous voyez, il est bien gris foncé, ce que je voulais. Et je vais donc le laisser tranquillement se reposer, se refroidir, surtout ne pas le rincer au chaud. Puisque la chaleur fait plus le mouvement fait feutre la laine, je vous le remontre un peu plus près. Ouh, avec le joli. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc vous laissez entièrement refroidir. Quand il est à température ambiante, vous le rincez plusieurs fois dans l'eau, vous l'essorez bien et vous le mettez à sécher. Ça,
c'est la partie la moins drôle parce que ben faut attendre. Voilà, j'espère que cette première découverte de la teinture vous aura plu. D'ici la semaine prochaine, je vais faire sécher ce joli écheveau. Et puis après, vous montrer avec cet écheveau comment effectivement on refait une jolie pelote ou un joli cake et un joli écheveau. Parce que bon, si on teint, c'est aussi pour le plaisir de dire je teins à la maison, mais c'est comme si je l'avais acheté en magasin. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous a plu, pas plu, ce qui vous plaît pas. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Bonne journée, bon dimanche, parce que pour moi, il est dimanche.